Salut les gars, c'est Tactic Knife. On se retrouve encore une fois sur Modern Warfare 3 pour une nouvelle vidéo sur la map Résistance, comme d'habitude en démo. Sinon, je suis avec une classe que je pense que vous allez bientôt commencer, enfin vous avez bientôt l'habitude de voir. Donc bon, déjà il s'agit de la PP90, enfin PP90 M1 comme vous voulez, avec la classe avec le silencieux et puis tir rapide. Donc j'utilise la compétence, je crois qu'ils appellent ça comme ça, la compétence 2 accessoires. Je trouve que je mets tir rapide vu que je suis assez souvent au contact des ennemis. Je dois dire que c'est quand même un très très gros avantage. Après c'est clair que au tir de loin, c'est très très dur vu qu'il y a tir rapide, l'arme, enfin elle bouge beaucoup, il y a pas mal de recul, donc même si on essaye de faire un maximum coup par coup, c'est quand même assez dur. C'est un peu un défaut, mais justement vu que moi je suis assez dans le genre à rusher un maximum et puis être un maximum au contact des ennemis, ça m'avantage quand même pas mal. Puis sinon, comme arme secondaire, je crois que à la base j'ai l'USP 45 silencieux, je crois. Je crois bien que c'est ça. Et puis comme équipement, si on peut dire ça comme ça, je suis toujours avec spécialiste. Donc ça change pas vraiment, c'est un petit peu toujours pareil. Voilà, comme vous pouvez le voir, à deux frags, j'ai indétectable. À 4 j'ai détermination et puis à 5 je crois que j'avais tracker au tir d'élite. Ouais, non, j'ai tracker. Et puis après forcément avec détermination, j'ai tous les atouts à 7. Alors je sais pas si je me souviens plus très bien d'ici dans cette partie, je vais arriver à un moment à avoir tous les atouts, mais il me semble pas, mais à quelques reprises je vais pas être loin. Je suis vraiment pas sûr. Mais sinon voilà, j'ai ressorti un petit peu ce gameplay, je suis allé chercher dans mon coffre en ligne en fait tout simplement. Je suis allé chercher une plus ou moins bonne partie, et encore celle-là c'est pas une grosse partie de PGM, je vais pas finir avec un très très gros score, mais bon ces temps comment expliquer, ces temps c'est un petit peu n'importe quoi, enfin je sais pas comment expliquer. Bon, vous avez pu vous rendre compte que le rythme des sorties de vidéos, c'est très c'est une par semaine tout juste, des fois deux, puis encore ça prend je mets pas mal de temps à en sortir une. Bon c'est en Modern Warfare 3 et moi ça fait complètement je dois vous dire, ça fait depuis 2 semaines je joue pas plus de 1h30 grand max par jour. Bon, pour certains c'est peut-être beaucoup, mais pour moi en tout cas, pour ce que j'ai l'habitude de jouer normalement, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup j'ai de la peine, franchement j'ai de la peine à faire des bonnes parties et du coup à proposer des bons gameplay, franchement. Maintenant je me décourage un peu entre guillemets plus vite. Enfin je fais 2-3 parties pas seulement bonnes, ça me saoule un peu de jouer direct, j'arrête, je vais pas chercher plus loin. Donc c'est clair que du coup ça devient beaucoup plus difficile de faire des bons gameplays. Et puis pour des raisons jeux vidéo ludique, c'est un peu plus personnel aussi. Enfin, je suis beaucoup plus blasé des jeux vidéo, j'ai beaucoup moins l'envie de jouer, mais pas seulement à Call of, que ce soit franchement à n'importe quel jeu. Je montre moins d'intérêt. On peut dire comme ça. C'est des phases comme ça, je pense qu'à peu près tout le monde, ça leur arrive au moins une fois, qu'il y a des moments, on est un peu blasé de tout, tout simplement. Des jeux vidéo, on est blasé de vraiment tout faire, les journées elles passent lentement les unes après les autres, et je vais pas commencer à déballer ma vie, mais en tout cas il y a vraiment des moments où j'en ai un peu ras le cul de tout, et puis je suis même pas motivé à faire des vidéos. Je suis pas en train de me dire que je suis en train de me forcer pour faire celle-là, au contraire je pense que ça me fait plus plaisir que ce que je pense.
Et puis voilà, j'ai quand même tous les atouts une fois. Et puis voilà, donc voilà, je pense que c'est aussi un petit peu je vais pas quand même vous laisser tout le temps sur votre faim avec des vidéos qui datent de 2 semaines. Et puis non, voilà quoi, faut quand même un minimum d'engagement, si je peux dire. Et puis ben voilà quoi, bon, c'est surtout le fait que j'ai de la peine à faire vraiment des bonnes grosses parties sur Modern Warfare 3 quoi, sans compter que ben, ce jeu de plus en plus me gave, et au fil du temps je remarque tous les défauts qu'il a en fait, surtout après les mises à jour. Là bon, au moment quand j'ai joué, ouais, je crois qu'il y avait déjà la mise à jour 1.08 qui était sortie. La mise à jour 1.08, la plus grosse connerie d'Infinity Ward, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Chaque mise à jour, on dit que ça peut pas être pire, mais oui, ça l'est. Dans cette mise à jour, ils nous ont dit que ce serait la cadence de tir des armes akimbo, de toutes les armes akimbo, pas seulement des FMG9. Faux. J'ai vu absolument aucune différence. Je me fais tout le temps spotted ou FMG x 1000 avec pas besoin de commencer à tirer que je suis déjà mort. Alors d'accord, on peut parler du temps de latence, mais le temps de latence, ils ont aussi dit que je suis bien foiré ici. Le temps de latence, ils ont aussi dit qu'ils arrangeraient le truc. Faux. C'est toujours un peu n'importe quoi. Après, ouais, il y avait quoi, les armes akimbo, les armes akimbo, j'ai l'impression que maintenant qu'ils ont soi-disant arrangé le truc, j'ai l'impression que il y a deux fois plus de joueurs qui jouent avec les akimbo, mais que ce soit les MP9, les scorpions, les FMG, tout ce que vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a deux fois plus, mais c'est deux fois pire. Après, il y a quoi encore? Bon, il y avait aussi le striker, l'histoire du striker qui devrait soi-disant baisser sa puissance. Baisser son chargeur, la capacité de son chargeur, et puis augmenter la puissance des autres pompes. Baisser la capacité du chargeur du striker, j'ai pas compté honnêtement quand il avait, mais je trouve que sans le chargeur grande capa, je trouve qu'il a déjà, il a encore pas mal de balles. Et puis c'est pitoyable de voir un mec vider un chargeur sur nous parce qu'il arrive, parce que c'est une grosse bite, il arrive pas à viser, et puis au final il reste une tuée tellement qu'il a de balles dans son putain de chargeur. Sinon la puissance, je me colle toujours des one shot avec ce pompe de mes couilles, ça a rien changé. Et puis maintenant je me prends des one shot aux autres pompes aussi. Avant limite on s'en lançait des marqueurs au space 12, mais non maintenant je me retrouve avec, enfin je me fais one shot avec le USAS 12, le SPAS 12, enfin, toutes ces pompes à la con. Et puis ils ont aussi parlé des points de spawn. Alors comme vous avez vu dans la partie, enfin comme vous le savez aussi peut-être, en tout cas en démo, les autres modes de jeu je sais pas du tout, mais en tout cas en démo les spawns ils changent n'importe, enfin la façon MME quoi, ça varie, c'est variable. Je sais pas pourquoi honnêtement ils ont fait ça, j'ai pas vraiment suivi le truc, je sais pas s'il y en a qui se sont. Moi je crois il y en a pas mal qui se sont plaints, bon spawn, machin, ils réapparaissent derrière nous, devant nous, enfin il y en a pas mal qui ont ragé contre ça d'après ce que j'ai compris. Et puis ils se sont dit ah tiens on va faire des spawns variables, mais oui là je compte un petit peu, oui. Non mais d'accord, ils ont mis des spawns variables, donc c'est un petit peu plus dur de faire du spawn kill, mais ça m'est arrivé quand même plus qu'une fois de respawn juste devant le mec qui vient de me tuer 2 secondes plus tôt, et du coup de me faire enchaîner, du coup de me faire spawn trap, et puis leur connerie ça a pas vraiment marché, il suffit juste qu'on doive faire un petit peu plus de tour de la map, mais c'est un peu pareil hein, si on veut spawn kill y a pas de souci, les points de spawn sont toujours définis, vraiment pitoyables des fois c'est tout juste pas si les deux spawns adverses ils sont au même endroit, vraiment des fois je peux voir dans les killcams que le mec il se fait buter, il réapparaît mais 2 mètres à côté de moi quoi, au même endroit que je réapparais, donc c'est un peu pitoyable quoi. Et voilà je crois c'est un petit peu près. Puis bon, ah oui aussi comme je l'ai dit, le fameux temps de latence de mes deux là,
Honnêtement, j'ai fait un tout petit retour sur Modern Warfare 2 il y a une à deux semaines. Avec un TAR-21 silencieux, avec un AK-47 ou avec tout ce que vous voulez, les face à face. Ils étaient en principe en ma faveur, enfin j'arrivais souvent à les gagner, mais non, là c'est toujours peine perdue honnêtement. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, et puis bon. Ils ont parlé des améliorations du mode studio là, l'erreur 7, enfin je sais, ce genre de conneries, sache le seul truc qui ont tenu parole c'est ça, je suis d'accord, je suis direct allé voir et maintenant j'arrive à visionner mes petits bouts de clips, mes quelques parties sans problème, donc ça je suis d'accord, ça a été amélioré, ils ont fait un effort là-dessus, mais c'est tout, franchement. Le reste, j'ai vraiment vu aucune différence, et c'est ça qui me dégoûte complètement, c'est qu'ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais, enfin, de voix, moi, ils pissent pas très loin, franchement, c'est que des paroles à la con. Je suis complètement dégoûté que les membres premium Elite, sur PS3, on va recevoir ces putains de packs 2, enfin, c'est les deux nouvelles maps, quasiment un mois après l'Xbox. Je sais bien qu'il y avait une combine avec Microsoft, mais pff, putain, nous, enfin, en Suisse, c'est énormément de balles, énormément de francs, enfin, si vous, c'est à peu près équivalent à 60€. Le monde premium, Elite, et puis avec ça, on n'est même pas foutu d'être un minimum égal aux autres. Moi, je trouve ça, c'est magnifique, quoi, franchement, c'est super. On s'est couillonné, c'est les rois pour nous prendre des thunes comme ça, puis ben nous, tellement qu'on est con, tellement qu'on. Voilà, que c'est Call of, et puis ben on achète, et puis au final, le jeu, et puis mon compte premium, j'en ai presque pour 200 francs en tout. C'est vachement cool, quoi, sérieusement. Enfin, voilà, quoi, je me plains, mais bon, toujours est-il que je vous propose toujours des gameplays, vous dites, ah, mais pourquoi tu joues toujours Modern Warfare 3? C'est vrai, mais écoutez, voilà, quoi, j'ai besoin de ma petite dose, comme, de Modern Warfare 3, si c'est pour m'énerver ou pour me changer les idées. Il me faut du Modern Warfare 3, mine de rien. Non, donc, voilà, voilà, surtout, c'est temps, en deux semaines, moi, je suis prestige 7, je crois. En deux semaines, j'ai dû faire du level 30 au level 55, ouais, non, même 3 semaines. J'ai dû faire du level 30 à 55 en 3 semaines, alors que d'habitude, en même pas une semaine, ça fait. Donc, faut dire que ces temps, je limite vraiment, vraiment Modern Warfare 3. J'essaie de prendre un maximum de recul sur ce jeu, franchement, pas éviter vraiment de prendre la tête. Et puis, ces temps, j'ai vraiment envie de jouer pour me changer les idées, en fait. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de la vidéo. Moi, je vous ai mis un petit truc bonus à la fin de la vidéo. Donc, coupez pas tout de suite, attendez la fin. Ça, pour ceux qui aiment un petit peu le hardstyle, comme moi, j'écoute. Regardez jusqu'à la fin, il y a une petite vidéo sympatoche que j'ai filmée. Donc voilà, nous on se retrouve, je sais pas du tout quand. J'aimerais bien faire un commentaire en live quand même. Sur Modern Warfare 3, je pense que ce sera un petit peu plus sympa pour vous quand même. Plus marrant, plus fun, donc je vais voir pour ça. En attendant, moi je vous dis à bientôt, et puis bon bah pas trop de prise de tête sur Modern Warfare 3. Ciao tout le monde.